pour manger ce midi quand même, même s'il est presque midi. On est un petit peu à l'heure espagnole. Hop. T'as pas besoin des lunettes, t'en auras besoin dehors. Qu'est-ce qu'on va faire, chérie? Je fais la course. Les courses, on va acheter quoi? Je sais pas. À manger. Bon, du coup, j'avais commencé à faire des papillotes et elles sont pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est le bibi caca. Pourquoi bibi caca? Bon, j'avais fait des papillotes ce matin, je vous ai pas montré parce que c'était un essai. En fait, je pense que ça rentre bien quand elles seront bien sèches. Mais là, j'ai pas pu attendre parce qu'il fallait faire les courses qui devraient être intenables. Voilà. Hop, j'ai fait trop tard. Hop, 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 hop. Donc, je pense que je recommencerai peut-être demain ou après-demain. Ah, si j'ai la motivation. Ça brûle. Qu'est-ce qui brûle? Ça brûle ça. Ah, parce que c'est chaud. Donc let's go pour les courses, je ne suis pas du tout maquillée, hein, je suis en mode nature, hein, après la douche, tout va bien. Bon, j'ai pris plein de trucs frais à grignoter, j'ai l'impression que ça a coulé. Ouais, il y a un truc qui coule, ah ça doit être, je sais pas ce que c'est qui a coulé. Pastèque, ouais, ça doit être la pastèque qui a coulé. Bien, c'est après maman. C'est pour nous ce midi. J'ai pris plein de trucs frais. J'ai pris ça là. Attends. Sois pas fou. Voilà. J'ai moi pris des trucs. Oui, tu vas manger du poulet. J'ai pris des trucs apéro comme ça parce que c'est que des légumes. Ça, c'est des radis. Ça, c'est des tomates cerises jaunes. Il y a des baby carottes, des tomates cerises. Ça, c'est du chou-fleur. Ça, c'est des olives et encore du chou-fleur. Et là, il y a le poulet. Là, il y a des concombres au fromage blanc. Ça, c'est du chou rouge. Et en dessert, il y a de la pastèque. Ça va être bon? Oui. On va préparer les assiettes? Oui. Alors, je vais allumer la lumière parce que sinon on va rien voir. Hop, regarde. Regarde là, il y a un nouveau meuble. J'ai reçu mon meuble que j'ai commandé pour mettre dans l'entrée. Tu veux que j'allume dans la chambre aussi? Merci. Je peux ouvrir les volets peut-être dans ta chambre. Hop, attends, je vais ouvrir. La pauvre, elle en a marre, mais là, il fait chaud, il fait lourd. Et le truc, c'est que il fait pas beau, quoi. Il fait orage. Donc, ça va péter. En fait, ils ont prévu des orages à partir de 14h. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu joues avec la voiture? Mais c'est pas là, les jeux, chérie. Ils sont rangés là, les jeux. Regarde. Regarde. Ils sont tous là dans les sacs. Voilà. Ah, il fait meilleur avec les volets ouverts. Donc, je vais monter le meuble, le nouveau meuble. Donc du coup, pour celles que ça intéresse, je l'ai commandé sur Songmix International. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je sais pas s'il est bien. Je vais voir, mais en gros, je pense que c'est à peu près large comme ça. Enfin, je sais pas du tout en fait. J'arrive plus à visualiser. Et vous avez une partie pour ranger les chaussures et ça fait porte-manteau parce que là, bon, moi je vais devoir tout réparer ce que j'ai fait, mes bêtises là entre la colle et les trous, je vais devoir tout réparer. Je m'en occuperai. Pour l'instant, je vais monter déjà ça parce que là j'en ai marre de ce bazar. Vu que j'ai plus de porte-manteau, j'ai tout ça, j'en ai marre de ce bazar. Et ce que j'aimerais en fait, c'est ici faire un double bureau pour Loïs et moi. Ce serait vraiment bien. Donc déjà, je vais commencer par monter ce truc là. Et voilà, j'ai installé le porte-manteau. Franchement,
C'est nickel, c'est super simple à installer. J'ai rangé vite fait, hein, parce que là, de toute façon, je vais tout réaménager. Je pense que ça va aller dans ma chambre. Celui-là aussi, ça aussi. Je vais... Ici, je vous dis, j'ai envie de mettre un grand bureau double. Je vais y arriver pour Loïs et moi, parce qu'on a besoin de travailler tous les deux. Là, il y aura et sur le balcon. Qu'est-ce que tu fais? Il est où, Nemo? T'es assise dans l'eau, là? Tu fais que des bêtises, hein. J'adore cette petite robe, la compagnie des petits qu'elle a, ça lui va trop bien. Elle est toute mouillée? Ouais. Bah ouais, mais t'as la couche, donc c'est parce que t'es assise... Ah oui. Donc il faut quand même que je vous dise, on a fait 2 jours, enfin 4 jours même, à chaque fois qu'on était chez mes parents, on lui a retiré la couche la journée, donc elle a fait pipi sur Papa Loïs, elle a fait pipi à peu près partout dans la maison, et dans le jardin, enfin elle a fait pipi, et elle a jamais voulu aller sur le pot, donc elle a jamais fait pipi sur le pot, elle ne veut pas faire pipi sur le pot. On lui a promis un très beau cadeau si elle faisait pipi caca sur le pot, il n'y a rien à faire. Elle m'a... Cet après-midi du coup... Non mais Eliora, ça marche pas ça? Tu vas en avoir partout de l'eau. Cet après-midi je lui ai promis... Je lui ai retiré la couche, je veux dire, et elle m'a supplié, mais en pleurant, que je lui remette la couche. Donc je lui ai remis la couche. Je sais pas trop quoi faire. Non, c'est des bêtises ça. C'est des bêtises. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Là aujourd'hui je crois pas qu'on sorte, de toute façon elle est bien. On a de l'air au moins, on ressortira peut-être tout à l'heure pour refaire des courses pour manger ce soir. Parce que j'ai pris juste pour ce midi. Et Laura, arrête avec l'eau. Non mais c'est pas très très bien. Bon c'est pas grave, mais va mettre dans les plantes plutôt. Va mettre dans les fleurs. Ouais, nos tomates elles poussent super bien nos tomates. Elles sont jolies les tomates de maman. Bon, comme c'est un peu la journée où on fait rien, je vais m'attaquer à ma chambre et je vais un peu changer les choses dedans, la ranger, enfin voilà. Et je vous montre tout ça à la fin. Par contre, pour l'instant, vous voyez pas grand chose parce que j'ai gardé les volets fermés, sinon il fait vraiment trop chaud. Et dans la chambre, c'est un enfer quoi. C'est un enfer parce que j'ai le soleil qui tape tout à la fin et tout. Et Laura, elle est en train de jouer avec mes affaires là. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? C'est pour faire des bouclettes dans les cheveux. Des bouclettes? Des bouclettes. Ça va s'aider. Maman, elle a fait ce matin? Ça servait à rien tourner, parce qu'ils étaient pas. Tourner, ils étaient déjà à moitié secs. Bref! Tu veux tourner, c'est ça que tu dis? Tourner. Bref, avec cette chaleur, de toute façon, je fais les choses un peu au ralenti, papa, comme tout le monde. Donc je vais essayer d'arranger la chambre différemment. Et de trier les cartons qui restent dans la chambre, ce serait pas mal. J'ai réussi à être... Je suis un petit peu dans une drôle de tenue, mais j'avais trop chaud. Donc j'ai baissé ma robe et mis une brassière à la place. Du coup, voilà comment j'ai arrangé le truc. Il me reste encore tout ça à ranger. Là, c'est que des fringues et des conneries à trier. Ça c'est resté là, il faut juste que je range ce qu'il y a dessus. J'ai mis ça là, donc ce sera plus pratique pour avoir un petit espace, même pour changer de cadre quand je filme. Voilà, j'ai rajouté cette commode là. Ce qu'il y a là-dedans, c'est des trucs qui sont triés. Et ça c'est la commode avec les sous-vêtements, les chaussettes. Et là en dessous j'ai encore du make-up, faut vraiment que je trie. J'hésite à mettre le miroir là, je sais pas encore. Faudrait que je mette un truc là. Là voilà, c'est comme ça. Faut que j'arrive à organiser mes fils là, c'est pas possible. Et Laura, elle s'éclate. Ça va mon cœur? À ton avis? Des bonbons. Oui, c'est des bonbons. Des bonbons. T'as été gentil? Des bonbons. Est-ce que tu as été gentil? Je sais pas. Comment on demande? S'il vous plaît. Alors un seul. C'est une drôle de façon de faire du step, mon amour. Tu t'amuses bien? Oui, c'est le stepper de maman. Maman va en refaire ce soir. T'as gagné, chérie? Encore un autre. Au moins, elle va se fatiguer, là. Fatiguer, maman. Oh non.
Qu'est-ce que tu fais? Je vais couper maman. Quoi? Tu veux couper maman? Je vais couper tes ongles. Tu veux me couper les ongles? Ah bah vas-y. Oui, faut t'asseoir, tu seras mieux, non? Aïe! Aïe! Ah oui, ça fait mal, hein? Tu vas passer le rouleau? Mais pourquoi faire? Il n'y a pas mal le rouleau. Non, ça fait pas mal le rouleau. On se met sur le lit? Bon, j'ai tout plié là. Et là, j'ai fait trop chaud, je rangerai après. Je fais une pause. Allez, hop, sur le lit. Ça, c'est le linge propre qui va être à repasser. Et ça, c'est le linge propre à ranger. Attends, ça fait mal le rouleau ou pas? Non, ça fait pas mal le rouleau. Les lunettes du docteur, fais voir mon cœur. Fais voir comment ça te va. Oh, t'es trop mignonne comme ça. Oui. Ah, ça va, ça fait pas mal. Non, ça va. C'est quoi? Je n'en ai aucune idée, chérie. C'est quoi un bruit? Je sais pas. C'est quoi un bruit? Un truc est tombé, mais je sais pas ce que c'est. Non. Je sais pas. Je vois rien. C'est un fantôme, tu crois? C'est quoi? C'est un fantôme? Non. Alors, tu voulais me couper les ongles? Bon, nous on ressort faire des courses pour ce soir. Je sais pas ce qu'on va manger. Qu'est-ce que tu veux manger, Liora, ce soir? Des haricots. Des haricots? Oui. D'accord. Des bananes à manger. Des bananes à manger. Des bananes à manger, maman. Tu veux manger des bananes? Haricots. Des haricots, oui. On va aller chercher des haricots verts. On va faire une poêlée de légumes. Hein? Et qu'est-ce d'autre? Elle a dit et quoi d'autre? Avec des pommes de terre? Haricots et bananes. Et bananes. Haricots et bananes. Haricots et bananes. Il est beau le petit chapeau, hein? Je lui ai pris ce matin chez Accessoires. C'est quoi? C'est des flamants roses. Flamants roses. Elle m'a fatiguée cette journée. Je suis même pas maquillée d'ailleurs, du coup ça se voit que je suis fatiguée, j'aime pas. Maman, je suis prise. C'est mieux. Une petite oreille. Bon bah on a été faire nos deuxième petite course. Alors ça va pas? Liora veut plus marcher. Enfin, surtout quand elle marche, elle court et elle veut pas donner la main. Donc elle est obligée de. Elle est obligée d'être dans les bras là. Et puis c'est pas simple parce que j'ai les courses aussi. Maman, il y a qui descend. Non, tu descends pas, tu fais trop de bêtises. Et je pense qu'il va nous pleuvoir sur la tête. Bon, heureusement qu'on n'est pas loin. Allez, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Bon, je vous ai calé un équilibre sur un truc. Du coup, il y a déjà des trucs que j'ai mis au congélateur, mais je voulais montrer direct dans le congélateur. Je vous montre ce que j'ai déjà bu, c'était un Starbucks Frappuccino, je me suis fait genre en intraveineuse, vite fait en sortant du monop parce que je suis un peu fracasse avec la chaleur, la brûlée et tout ça. J'ai pris des pommes de terre que je peux cuire au micro-ondes, c'est quand même dans le sachet, c'est quand même un pur bonheur. Je sais que c'est pas très bon pour la santé mais c'est quand même super pratique. J'ai pris des petits raisins noirs, des mini bananes, de la salade verte. Des cornichons à la ruche, c'est comme des mini concombres pour celles qui savent pas. Des poivrons grillés, alors c'est ceux de chez Dossi, vous le savez, ils sont extrêmement chers, je crois qu'ils font 3 ou 4 euros, mais ils sont vraiment très très bons. J'ai pris un 7-Up Mojito parce qu'Eliora adore ça. Je sais que c'est pareil, c'est plein de sucre, mais bon, je me dis de temps en temps, je peux lui en donner un petit peu. Et des haricots verts, comme elle me l'a demandé, donc voilà. Et voilà ce que j'ai pris d'autre.
Hop. J'ai pris des sneakers glacés. Et ça, ce sont des boulettes de volaille. Donc je vais lui en faire une ce soir, je pense. Et pour moi aussi. Avec pommes de terre à haricots verts. Donc heureusement qu'il y a un petit peu de vent là quand je m'approche de la fenêtre. Parce qu'il fait vraiment une chrane, une chaleur de malade. Bon voilà, allez, on va préparer tout ça. Alors, c'est bon chérie? Bon là tu bois de l'eau. Oh oui, il fait chaud. Hein. De l'eau typique. Oui. Et les boulettes là, elles te plaisent? Regardez comment elle m'a dévoré la boulette là. Il y a des légumes dedans. C'est bon. Ouais, et je lui ai fait donc pommes de terre, haricots verts. Et pour moi, c'est un petit peu plus régime. Salade de chou rouge, salade de concombre. Je me suis fait des trucs comme ça, mais je suis pas sûre de les manger. Et il y en a un là pour Ediora. Ediora, un cornichon. Oui, tu peux le poser là. Elles sont vraiment bien les assiettes ZPZ. Elles sont vraiment géniales. Qu'est-ce que ça fait? Mon amour. Bébé, je t'aime. Mon amour de ma vie. Ça. Ça. Tu veux toi? Ouais. Je mets les dentifrices. Tiens mon cœur d'amour. Maman. Tu les penses là? Ouais. Je vais mettre après, attends. Je prends. Retire la brosse, attends deux secondes. Retire la brosse. Non. Non, pas. Encore un peu. Voilà, c'est fini. Maman. Les mots d'adore à ma magique. Vas-y, je vais te les donner. Je vais te mettre le pansement magique. Ouais, ouais. Je vais sortir. Je vais en sortir un et tu vas l'ouvrir toi. Tiens, prends celui-là. On a pris des pansements My Little Pony chez H&M parce qu'elle a un petit bobo sur la cheville, rien de grave. Hop, c'est toujours, tu vois, il sort du gâteau. Je te montre. Tiens. Vas-y. Tire. Ouais, super. Maman elle met. Oh. Oui. Maman elle met le pansement. Et le bobo, il est là. C'est moi fait. Tu peux pas faire. Et voilà. C'est joli. On n'a pas fini aussi la chambre de maman. Non, on n'a pas fini de ranger la chambre de maman. Parce que toi, tu as mis tout le bazar? Parce que tu as défait tout le linge que maman l'avait plié? Tu me dis bonne nuit? Bonne nuit. Tu dis à demain? À tout. Ah, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit à tchou? Tout. À tchou? Tout. Tu veux pas dire à demain? À demain. Mouah. T'es trop belle, mon amour, je t'aime. Papa, il t'aime beaucoup, papa. Oui, papa, il nous aime beaucoup. Mission accomplie, elle dort. Maintenant, j'ai une autre mission qui m'attend. La plus importante de la journée. La mission sneakers glacés. Vu que je n'ai mangé que des légumes aujourd'hui. Hop. J'ai un sneakers glacé. Tata. Et comment? Et là, je suis en train de réfléchir à une vidéo que je vais vous faire. J'ai pas mal de taf ce soir d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir à une vidéo que je vais vous faire et je pense que je vais demander à Papa Louis de participer, ça va vous plaire. Parce que aujourd'hui vous n'allez pas le voir en fait. Vous ne l'avez pas vu du tout aujourd'hui, je crois pas. Je crois pas du tout. Parce qu'il est parti bosser assez tôt. Et donc voilà. Là maintenant je vais débarrasser la table.
me poser et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, bisous. Bon, c'est entraînement post Instagram ce soir. Sinon la nouvelle chambre, elle te plaît, chérie? Viens de rentrer, il est genre 1h du matin. Et moi je me suis laissée prendre dans ma série. Je regarde iZombie. Ah, iZombie. Qu'est-ce qu'il a de son téléphone? Tu reçois des... Ouais. Ah. Tu reçois des notifications. Ouais. Montre-leur quand même que c'est bien ton compte Instagram. Ah oui, parce qu'il y en a plein qui ont dit que c'était moi qui gérais son compte. Non, je suis incapable. C'est mon téléphone. Bon, on voit rien. On voit rien. Mais c'est mon téléphone et c'est mon compte Instagram. Mais je lui apprends parce qu'il sait pas. Oui, alors pardon, voilà, je suis en formation quand même. C'est mon compte Instagram. Faut pas trop lui en vouloir. En formation. Donc les photos risquent d'être moins belles que celles de Becca, mais bon, ça. Il va apprendre, il va vouloir être meilleur que moi, de toute façon, je le connais. Donc il va faire encore de plus jolies photos, je pense. Au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, il va vouloir un appareil. Bientôt, je vais faire ma chaîne Allo Papa, c'est ça? Ah, tu veux avoir une chaîne YouTube, chérie? Non, merci. Pas pour le moment. Il faudrait que j'arrête de travailler, je peux pas. Ouais, sinon il était en train de se plaindre des cartons que j'ai mis dans l'entrée. Je sais pas si je vous les ai montrés. Et en fait, j'en avais marre d'avoir les cartons. En fait, on déménage, en fait. J'étais pas au courant. J'en avais marre d'avoir les cartons dans la chambre parce qu'on n'a pas assez de meubles et c'est pour ça que vous n'avez toujours pas le home tour. Alors, Louis, sache qu'on me pourrit tous les jours pour que je fasse la visite de l'appart. Sauf que je peux pas le faire. Bah, ouais. Parce qu'on n'a pas assez de meubles. En fait, on n'a pas acheté. C'est trop chaud, chérie. Ah, mais ça, c'est la vie. T'as été voir à Lura, savoir si ça allait? Non. Je suis allée voir toi d'abord. Ah, t'es gentil. Bisous. Moi, les bonnes nuits. Bisous, à demain.